Déjà, le mot fleuve pose des problèmes parce que j'ai dit la mujer que estaba casada con un río. Río, mais río, c'est l'Amazonas. Un fleuve tombe sur un autre fleuve, mais le fleuve va el río Amazonas va dans la mer et il est immense, on voit même pas l'autre bout. Donc, et ce qu'elle aimait le plus, c'est d'aller se baigner tous les jours dans son mari. Je comprends pas ça. Mais je sais que quelque chose se passe de très fort quand je raconte cette histoire. Et avec moi, ça met en mouvement des choses chez moi très très fortes que je ne comprends pas, que je ne sais pas comment ce mari est devenu un fleuve, cette relation entre le mari et le fleuve. Et donc assumer les mystères aussi.